Pour commencer, installe-toi dans une posture qui t'est confortable. Allonge ta colonne vertébrale et maintiens ton menton neutre, parallèle au sol. Roule délicatement tes épaules vers l'arrière et sorte à ouvrir ta poitrine vers l'avant. Puis dépose tes mains sur tes genoux, paume de main vers le ciel. Et doucement, laisse tes yeux se fermer. Concentre toute ton attention sur ta respiration et sur cet espace situé au centre de ta poitrine. Cet espace connu comme le cœur énergétique, là où loge Anahata, ton cœur énergétique. Ressens ton souffle entrer dans cet espace et depuis cet espace, naviguer dans le reste de ton corps. Ventre, cage thoracique qui s'agrandit. Ressens ton ventre, ta cage thoracique qui grandit avec chaque inspiration, puis qui se contracte sur chacune de tes expirations. Autorise-toi à être dans cet instant présent avec ton souffle et avec ton cœur. Notant de quelle manière ils sont connectés et de quelle manière tu peux adoucir ton cœur en utilisant ton souffle. Et de la même manière, comment tu peux infuser de l'amour dans ton souffle à travers ton cœur. Ils sont tous les deux mutuellement bénéfiques l'un pour l'autre. Et ici et maintenant, tu ressens cette forte connexion. Et tandis que tu respires, tu commences à donner ta pleine conscience et ton attention. Tu commences à apprécier ton cœur autant que ton souffle. Tu commences à honorer la présence de ton cœur autant que de ton souffle. S'honorer soi-même est le pont vers l'amour de soi. Alors dans cet instant présent, honore ton souffle et honore ton cœur pour tout ce qu'il te permet de faire. On dit que tu te relaxes et autorise ta respiration à s'approfondir. Et tandis que tu honores ton cœur et ton souffle, ici et maintenant, laisse cette sensation pénétrer toutes les parties de ton corps, t'honorant alors tel que tu es ici et maintenant. Porte à présent ton attention sur ton corps et honore-le. Honore cette enveloppe physique qui te permet d'être pleinement dans cet instant présent. Et le miracle qu'il représente et dont tu témoignes. Toutes ces choses que ton corps te permet de réaliser et auxquelles tu ne penses même plus. Ton corps prend naturellement soin de toi. Et ici et maintenant, tandis que tu reconnais cette vérité, tu approfondis cet amour
et cette reconnaissance envers ce corps. Tu prends alors conscience de toutes ces choses que ton corps fait naturellement pour toi. À quel point il t'aime. À quel point il fait attention à toi. Pense à toutes ces choses qu'il fait pour toi. Lorsque tu ris. Lorsque tu danses. Lorsque tu pleures. Lorsque tu aimes. Et tandis que tu honores ton corps ici et maintenant, commence à ressentir cet amour grandir encore et encore. Cet amour envers toi-même, cet amour envers les autres. Et à quel point cet amour, sans effort et naturellement, te permet de respirer, de digérer, de bouger, de te connecter à tous tes sens. Il te permet d'embrasser, de câliner, d'être près des personnes que tu aimes à chaque instant. Apprécie cet état d'être complètement vivant, tandis que tu expérimentes ces émotions d'amour envers ton corps. Et tandis que tu ressens cet amour, visualise-le grandir dans chacune des parties de ton corps. Tu peux aimer et apprécier ton être pour toutes ces choses merveilleuses qu'elle te permet de faire. Tandis que tu visualises cet amour grandir, ressens-le. Peu importe les pensées que tu entretiens actuellement avec toi-même. Si ta relation n'est pas saine, ou si tes pensées sont négatives, toxiques, alors utilise cette sensation, ce ressenti de l'amour que tu cultives ici et maintenant et propage-le. Propage-le vers toi-même en te détachant de ce que tu penses ou de ce que tu as pu penser. L'amour envers soi-même est inconditionnel. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es. L'amour de soi, le vrai, le véritable, c'est de t'accepter pleinement, au travers toutes les étapes, toutes les expériences, tous les mots. C'est t'accepter tel que tu es, les bras grands ouverts, porté d'amour.
dans ta tête ou peut-être en chuchotant, je t'invite à répéter les mots suivants. Je t'aime quoi qu'il en soit. C'est ok si tu ressens ça maintenant. Je t'aime inconditionnellement. Et je te pardonne. Je t'aime quoi qu'il en soit. C'est ok si tu ressens ça maintenant. Je t'aime inconditionnellement. Et je te pardonne. Si une pensée ou une situation que tu traverses actuellement traverse ton esprit et que vis-à-vis de cette situation ou de cette pensée, tu aimerais te manifester des mots d'amour, alors fais-le. Laisse cette sensation d'amour et ces pensées d'amour pénétrer tout ton être, partie après partie de ton corps. Laisse ce flot d'amour naviguer en toi. Et même si tu penses encore à des défauts, si tu cultives encore des pensées critiques envers toi-même, embrasse et accepte toutes les parties de qui tu es ici et maintenant, sans essayer de catégoriser quoi que ce soit, simplement en accueillant cet amour.
et tandis que tu respires, doucement ramène ton attention vers le centre de ta poitrine. Doucement ramène ton attention sur les contours de ton enveloppe physique. Et peu à peu, tu ressens les expressions bouger sur ton visage, laissant peu à peu tes paupières s'ouvrir. Merci d'avoir médité à mes côtés aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites élever ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer toute la plateforme gratuitement pendant 7 jours. Merci et à très vite.